Le putois. La préservation de cet espèce menacé d'extinction est primordiale. Le putois n'a pas très bonne réputation à cause de l'odeur nauséabonde qu'il dégage, mais aussi des ravages qu'il occasionne auprès des perdrix et autres volailles. Dû à cela, le petit carnivore est chassable sur le territoire français et se présente désormais comme une espèce menacée d'extinction, indique la SFEPM, Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Pourtant, au niveau européen, le putois est classé dans l'annexe 3, espèce de faune protégée de la Convention de Berne. Le putois est une espèce menacée car considérée comme nuisible. Après avoir passé en revue la population des putois, la SFEPM s'est alarmée de voir la population de ce petit mammifère décliner considérablement au point d'être considérée comme une espèce menacée. La société a alors demandé au ministère de l'écologie de placer cette espèce menacée sur la liste des mammifères protégés en toute urgence. Jusqu'alors, le putois était considéré comme nuisible, comme la martre et le renard, et était la proie directe de pratiques d'élimination. En dépit du fait qu'il provoquait certaines angoisses, l'état de conservation de cette espèce menacée d'extinction en France n'était pas vraiment documenté. Des mammifères vulnérables selon la SFEPM. Après avoir constaté le nombre en déclin des putois, la SFEPM a décidé d'interroger des personnes et des organismes à propos des ressources identifiées dans différentes régions. Il a été révélé que ces mammifères devenus une espèce menacée sont très vulnérables pour plusieurs raisons. Manque de nourriture, destruction des habitats naturels, déforestation, etc. La pollution, maladie, perte du patrimoine génétique. Le putois, une espèce menacée importante pour la biodiversité. Dans son rapport, la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, SFEPM, explique que le putois ne nuit en rien aux cultivateurs ou aux éleveurs. La préservation de cette espèce menacée d'extinction ne devrait donc pas porter préjudice aux pratiques agricoles. Au contraire, le putois pourrait être considéré comme une alternative aux produits chimiques car il pourrait éliminer les rongeurs. D'autres espèces menacées d'extinction en France. Comme le putois, il existe aussi d'autres animaux en danger dans l'Hexagone. Sur la liste rouge des espèces menacées, on retrouve le wison d'Europe qui est classé en situation de danger critique. L'ours, le loup et le lynx sont également en voie de disparition, suivis de la chauve-souris et du hamster géant. La déesse précieuse, libellule, est aussi une espèce menacée, tout comme la vipère pléiade et le cachalot. Selon les estimations du comité français de l'UICN, Union internationale de la conservation de la nature, et du Muséum national d'histoire naturelle, 33% des espèces terrestres et 32% des animaux marins sont menacés ou quasi menacés. Parmi les facteurs ayant engendré cette destruction, on retrouve le réchauffement climatique et les activités humaines.